Pour cela, mon frère, aie à ta envie. Je vais t'inviter à acclamer le Seigneur. Le docteur Silas, venu nous enseigner encore ce soir. Docteur Silas, sortir encore ce soir. Le frère, pour la gloire du nom de Jésus. Acclame le Seigneur, chanteur. Acclame Jésus. Jésus soit loué.
brûle la voix, qui brûle la voix, qui brûle la voix. On va souffler un peu avant de commencer.
rendre la gloire sans jamais, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant qu'on jouait, je voyais une armée d'anges du Seigneur au métier. Et sa queue avec un épée l'épée. Pour combattre pour la grande bataille aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le ciel est mobilisé pour nous donner des puissances, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la délivrance intégrale. Dis à ton frère, la délivrance intégrale. Par la connaissance de la parole. La délivrance intégrale. Par la connaissance de la parole. Par les standards de la sainte doctrine. Par la révélation de la parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Que la gloire soit due à notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le lundi, nous avions commencé notre séminaire de réveil spirituel. Dans le thème en général est intitulé comme suit. Triompher du monde par les standards de la sainte doctrine. Lundi, le thème était la victoire sur le diable, son armée invisible et visible en Christ dans la sainte doctrine. Après, nous avions reçu l'enseignement le deuxième jour sur triompher du monde par le pouvoir spirituel net de Dieu. Net de Dieu et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Le mercredi hier, l'enseignement hier portait sur le sous-thème triompher du monde par la foi sur naturel divine. Et par cette prière, par cet enseignement, vous avez beaucoup prié. Par la foi surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons. Il y en a dit, on est en train de voler, non? Aujourd'hui, c'est pas qu'on vole seulement. C'est comme si on est déjà au sommet. Et on va nous positionner au sommet. Et nous allons voir les choses du monde et rire et voir une petite vanité. Donc, depuis hier, vous avez commencé par décoller. Aujourd'hui, il nous met au sommet. Acclame Jésus. Le sous-thème d'aujourd'hui est deux volets. C'est le même, c'est en réalité tout est lié, seulement que j'ai voulu, par l'Esprit de Dieu, mettre ça en deux volets pour que vous puissiez comprendre vraiment la valeur de comprendre les grandes réalités du monde spirituel. Comprendre les grandes réalités du monde spirituel. Ça c'est hier on a parlé du surnaturel. Aujourd'hui nous entrons dans l'aspect spirituel. La spiritualité même. Parce que tout est spirituel en Jésus. Même le monde que nous voyons naturel là est une partie aussi spirituelle. Et tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont de victoire dans les plus grands combats sur la terre sont ceux qui ont la connaissance des réalités du monde spirituel. Si tu n'as pas la connaissance des réalités du monde spirituel, tu es foutu. Et le monde aura le pouvoir sur toi. Mais gloire soit à Jésus qui a initié ce séminaire pour nous enseigner la clé du royaume de Dieu, pour nous donner la priorité, pour nous donner les connaissances afin de nous permettre de triompher du monde. Gloire à Jésus. Ma rédemption, ma délivrance par la connaissance des lois spirituelles du royaume de
Alléluia. Amen. Dis à ton frère. Garde de ta rédemption. L'heure de ta rédemption est arrivée. L'heure de ta rédemption est là. Ta délivrance. Par la connaissance des lois spirituelles du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, vous connaissez la vérité. Mais la vérité vous affranchit. Longtemps vous avez été aveuglé. Longtemps vous avez pensé autrement. Vous étiez dans l'ignorance. Et l'ignorance c'est la mort. L'ignorance c'est l'esclavage. Mais la vérité c'est la lumière. La vérité c'est la délivrance. Et Jésus est la réponse. Gloire à Jésus. Cet enseignement est très important, comme je l'ai dit. D'abord, je tiens à dire quelque chose. Plusieurs parmi vous me dit le Seigneur. Plusieurs parmi vous me dit le Seigneur. Sont nés de Dieu. Nés de Dieu, là, c'est la foi. C'est la foi qui donne la naissance de Dieu. La foi et l'Esprit de Dieu qui donne ce pouvoir. Qui est né de Dieu ici? Tout le monde est né de Dieu. Bien. La semaine, nous avions enseigné l'être de comment naître de Dieu par le pouvoir de la parole ou bien. Le Seigneur me dit que plusieurs parmi vous sont nés de Dieu. Mais tous n'ont pas subi la rédemption. Tous n'ont pas subi la délivrance authentique de la rédemption. Tous n'ont pas subi ce processus spirituel de la rédemption. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi tu places ta foi en Jésus. C'est pourquoi tu places ta confiance en Jésus. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi tu donnes le nom de Jésus dans ton cœur. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi tu fais tout. Adore Jésus. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi ton esprit est connecté à Jésus. Tu es né de Dieu. Et tu es sauvé. Car tous ceux qui sont nés de Dieu sont au préalable sauvés par Dieu lui-même. Par sa parole. Et ses paroles ont été données par la prédication de la foi. Oui. Nous sommes nés de Dieu, non? Et le Seigneur me dit, plusieurs sont nés de Dieu, mais n'ont pas encore reçu la rédemption. N'ont pas encore subi la rédemption. N'ont pas encore subi la rédemption. N'ont pas encore subi la rédemption. Tu es né de Dieu. Tu es dans Jésus. Jésus est dans ton cœur. Tu aimes Jésus. Toi et Jésus, vous êtes un. Mais tu sens en toi que tu n'as pas la paix. Tu sens en toi que tu pleures. Tu gémis tout le temps. Ton âme soumise. Ton âme soupire à quelque chose. Ton âme soupire encore. Tu gémis au-dedans de toi. Quand est-ce que je rencontrerai le Dieu? Je mens. Ou bien c'est le Seigneur. Voilà, le Seigneur ment. Tu as la foi, tu es né de Dieu. Et donc, c'est au Dieu. Tu adores Jésus. Tu es Jésus. Mais tu n'as pas la paix dans ton cœur. Bon, Dieu. Parce que tu n'as pas encore subi la rédemption authentique. Elle a même pas foi, n'est pas à quoi. Tu as le nom de Jésus à la bouche. Et donc, Jésus, même tu es sauvé. Oui, tu es sauvé. Ça, c'est pour l'éternité. Mais sur la terre, ton âme n'est pas en paix. Pourquoi tu n'as pas encore su de la rédemption? Par la grâce de Dieu, l'enseignement qui sera donné aujourd'hui va être un moyen par lequel le Saint-Esprit vous libère votre âme, votre esprit, votre corps appartiennent définitivement, complètement, intégralement à Dieu. Le but du Créateur en créant l'être, esprit, âme
le camp. Ta doti na enu wola ko opopo lu po nti na. Et l'être créé à son image. Enye enu ewa ko to. De tous les standards de sa nature. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Il nous a créé esprit, âme et corps. Nous devons, en tant que la divinité, qui opère en trois formes, est en toute quiétude, en toute paix. Autant la divinité vit en toute quiétude, en toute assurance, en toute paix. Autant nous qui sommes créés à son image, devrions être en paix, être attachés à lui, vivre en paix, et que notre corps jouisse du bonheur. La volonté de Dieu a créé esprit à mes corps. Mais pas notre esprit, ils sont seulement attachés à lui. La volonté de Dieu a créé esprit à mes corps. Mais pas seulement que notre esprit soit attaché seulement à lui. Mais que notre âme soit exprimée en danger. Non. Et que le corps soit soumis à la vanité. Non. L'esprit par la nouvelle essence. L'esprit par le fait que nous sommes nés de Dieu. Devient un seul avec Dieu. Un seul esprit avec Dieu. Mais si l'esprit devient seul à Dieu, un seul avec Dieu, automatiquement par les lois spirituelles, l'âme aussi pour son bonheur. Parce que si l'esprit est en bon état, l'âme obligatoirement peut aussi vivre le bonheur. Mais comme l'âme est sur la terre, comme l'âme est terrestre, par nature, il y a des lois spirituelles que nous devons pratiquer sur l'âme, pour que l'âme jouisse du bonheur de l'esprit régénéré né de Dieu lui transmet. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. La rédemption, ma délivrance par la connaissance des lois spirituelles du royaume de Dieu. C'est pas ça que nous triompherons du monde. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que l'homme est esprit, âme et corps. Nous devons connaître alors les composants de l'homme. La différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Nous savons très bien dans les enseignements que l'esprit vient de l'éternité. L'esprit est à l'image de Dieu. Ou bien, Genèse 1, verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. À sa créons l'homme à notre image dans Genèse 6, 1, verset 6. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cetera, etc. L'homme qui est créé dans Genèse 1, verset 6 à 27. L'homme qui est créé dans Genèse 1, verset 6, 26 à 27. Un homme spirituel qui vient de l'éternité. Mais quand nous allons dans Genèse 2, c'est autre chose. L'homme, le même homme qui a été créé dans Genèse 2, n'est pas essentiellement esprit uniquement. Mais esprit, âme et corps. Nous disons par là que l'homme esprit existe avant l'homme esprit, âme et corps. Car dans Genèse 2, on dit que Dieu forma l'homme par la poussière. Or dans Genèse 1, 26 à 27, on a dit Dieu créa l'homme. La création de l'homme est à l'image de Dieu. La formation de l'homme est l'introduction de la substance spirituelle créée à l'image de Dieu dans la poussière et l'existence de l'homme qui
apparaît par cette formation. Je vous explique. Avant d'être esprit, âme et corps, nous étions esprit. Et esprit, nous venons de Dieu. Mais dans Genèse 2, Dieu forma l'homme. Non, Dieu forma l'homme par la poussière. L'homme qui a été créé était une substance spirituelle. Bien, qui vient de l'éternité. Cette substance spirituelle devient comme un souffle. Parce que l'esprit est un souffle. L'homme qui a été créé de Dieu va être transmis dans la poussière comme un souffle. Comme même dans la poussière. Cette poussière a été formée pour être l'image terrestre de l'esprit. Maintenant, quand la substance spirituelle qui est esprit entre dans le corps, entre dans plutôt la poussière, ça devient le corps. L'esprit dans le corps. Et quand l'esprit entre dans le corps, il y a naissance ou bien il y a génération de l'âme. Je vais faire un schéma, trois personnes. Suivez-moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà l'esprit qui a quitté. Voici les. Voilà les ténèbres. Comment pour m'envoyer à la pia? Voilà la bombe. Les ténèbres ont commencé là-bas. Ma bombe est au pia. Hadi Robo Kodi. Vous voyez? L'esprit était dans l'éternité. Là où il y a le plan. Vous voyez? Là où il y a le plan, c'est l'éternité. Puis quand on donne le. L'esprit a quitté l'éternité. Pourquoi Togo tombe ma bombe? Et a été introduit dans le temps. C'est ça, on dit, nous créons l'homme à notre image. L'homme existait dans la pensée de Dieu. Avant d'être créé, introduit dans le temps. C'est bon? Ça, c'est l'esprit. Donc, cet esprit était un souffle. Un souffle. Une substance spirituelle qui n'avait pas de corps ni d'âme. Voilà. Et cet esprit est comme un souffle spirituellement. Dieu va prendre cet esprit qui est le souffle. Gardez ça dans sa main. Va dans le monde physique. Va dans le monde physique. Il y a la poussière, ou bien. Vous pouvez aller. Dieu prend l'esprit. Quand Dieu a créé l'esprit, il fait comme ça. Hey, mais comment vous comprenez? Elle lit dans l'homme. C'est toi qui disperses par l'homme. Dieu va vient dans la poussière. Mais où va vous être quoi? Vous voyez comment fait poussière? Mais pas les corps on a ni pour vous ne. C'est la tête. Et prends En même temps, ça fait un seul homme. Esprit avec toi. Je reprends. Papa, loupa, moutina. Quand il a soufflé là, le corps apparaît premièrement. Maintenant, quand le corps apparaît, en même temps, l'âme aussi apparaît. Loupa, ça va. L'âme a une partie de l'esprit. Loupa, l'âme a aussi une partie du corps. Parce que le corps vient de la poussière. Et c'est l'esprit, la combinaison de l'esprit et de l'âme qui font la combinaison de l'esprit. Et du corps de poussière qui forme l'âme.
année. Son papa et sa maman, lorsque les deux se mettent ensemble, ils donnent un enfant. L'enfant a une partie du père. Il ressemble du père. Donc l'âme est en même temps terrestre et en même temps spirituel. Parce que l'âme vient de la combinaison de l'esprit et du corps physical. Acclame Jésus, c'est bon? Donc, est-ce que pour ça c'est là? Est-ce que l'âme a quitté l'éternité? Est-ce que l'âme a quitté l'éternité? Est-ce que le corps physique qui était poussière a quitté l'éternité? Quel élément a quitté l'éternité? Maintenant, là nous disons que l'âme a une partie de l'esprit qui est venue dans le temps. Mais pas de l'éternité. Parce que l'esprit a quitté l'éternité et venu dans le temps. Là est une partie de l'esprit. Même dans le temps. Mais non, et non dans l'éternité. L'âme a aussi une partie du corps matériel qui est vous. L'âme devient le médiateur entre l'esprit et le corps. L'âme maintenant, c'est-à-dire la médiation entre l'esprit et le corps. Faites comme ça. C'est le même homme. C'est le même, mais c'est pas trop. Homme. C'est le même esprit dans le corps. Combien? L'âme, ouais, l'âme est l'image invisible de l'esprit. L'âme est l'image invisible de l'esprit. Ce que lui, il est en esprit, l'âme aussi l'est. Seulement que l'âme est une partie du corps. Le corps est une image physique de l'esprit. L'esprit est indépendant des deux. Parce que l'esprit vient de l'éternité. L'âme dépend de l'esprit et du corps pour vivre. Le corps, d'abord le corps dépend de l'âme. L'âme dépend de l'esprit. L'esprit dirige l'action de l'âme. Et l'âme qui reçoit l'action de l'esprit influence le corps. L'homme créé à la volonté de Dieu est esprit. L'homme formé devient une âme vivante. Quand le corps poussé est apparu, c'est l'âme qui est venue au milieu. Maintenant, voici ce que Adam était. Quand Adam a péché, l'esprit, abaisse-toi, l'esprit a perdu sa force. Sans éclat. Et il est devenu âme et corps. L'âme et corps maintenant, on fait comme ça. L'âme fait comme ça. Non, non, lève-toi, lève-toi. Voilà. Âme, corps, esprit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la chair. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ça, c'est la chair. Maintenant, pas quand on dit l'aide de Dieu. Nous, les gens, on a fait la télé. L'aide de Dieu, c'est quoi? La parole créatrice vient. Lui, l'esprit a vu, j'ai péché. La chair m'a poussé à pécher. L'homme m'a dit, Seigneur, je ne vais pas. L'esprit commence à dire, je ne vais pas. Alors, quand l'esprit commence à supplier Dieu, le Saint-Esprit qui est la parole créatrice, écoute la voix de l'esprit qui est en train de supplier. Et dit, je me lève. Je brise la chair, la peine de pouvoir la chair. Tirez-le, commencez par le tirer. On a dit, prie. Vous, la chair, non, regardez devant. Tirez-le. La chair, comment va tirer l'esprit? Prie. Il ne tirerait pas. Ça prend le péché. La parole qui a dit, je vous a prié maintenant. Et je dis, chair, laisse-le.
Merci. Lève-toi. Lève-toi. Et tout maintenant est contrôlé par le Saint Esprit. C'est ça, il vient de Dieu. Il y a maintenant le Dieu. Oh, dis tout le monde, maçon. Et à présent, quand vous faites bien, c'est à toi de le tirer maintenant. Commence à pratiquer la parole. Obéis à la parole. Dis maintenant, j'obéis. Je marche sur la parole. Je suis bien le Dieu de la parole. L'esprit maintenant conduit la chair. Et tu mets ta chair. Parce que là et le temps, c'est la chair. Là et le temps, c'est la chair. Mais l'esprit et le Saint-Esprit, c'est le côté spirituel. Ça, c'est l'être de Dieu. Qui a compris maintenant la différence entre l'esprit, l'âme et le corps? Qui a compris? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous pouvons. Depuis que l'homme a péché, son esprit s'est souillé. Et donc, comme l'esprit a été souillé, cet homme a besoin de récréation. Cet homme a besoin de récréation. Il a besoin d'être créé à nouveau. Afin de l'être de Dieu, un triomphé de la chair et du monde. Par ce péché, ainsi par ce péché, son âme a été empoisonnée. Ou bien, c'est l'âme même qui l'a conduit au péché. Alors, si l'esprit est souillé, l'âme n'a plus le pouvoir de purifier l'esprit. L'âme empoisonnée devient faible devant l'esprit. C'est pourquoi l'âme était mise à genoux. Et le corps aussi. Donc, c'est pourquoi plutôt l'esprit était à genoux. Et l'âme n'avait pas la sainteté en lui. Il était vulnérable. Et pouvait contrôler l'homme au péché. Par ce péché, son âme était emprisonnée. Ainsi, par le péché, je reprends. Maintenant, reprenons. Revenez. Par le péché, le péché de l'homme, son esprit est souillé. Ce qu'on va faire là, tu vas mettre la main. Tu vas mettre. Non. Donnez-moi une feuille, s'il vous plaît. Une feuille. Une feuille. Déchirez une feuille. C'est bon. Voilà. C'est l'esprit, ça, non? C'est l'âme, non? C'est le corps. Donc, en même temps, quand l'homme a péché, l'homme pêche. Eh, mais quand on nous point. Voici la suie. Bon, Diana. La suie, je suis son esprit comme ça. Eh, Diana, elle est pour quoi, non? Disons que c'est son esprit. Le cœur et l'esprit, c'est nous. Et la pensée. Mais quand la suie est là. Et bien, mets la main sur la voilà. Tu es souillé. Tu vois. Là maintenant, est automatiquement, devient automatiquement esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. Donc, l'esprit a été suivi par le péché. Comme l'esprit, si l'esprit est suivi par le péché, le diable maintenant qui a conduit l'homme au péché, le diable qui a séduit l'homme, va prendre l'âme. Parce que comme l'esprit est suivi, l'esprit n'a plus de force d'autorité. Tu es comme ça, il est suivi. Le diable va prendre l'âme maintenant. Je veux deux personnes. En même temps, vous voyez l'esprit est là. Mais pas au palais. Vous voyez, l'esprit est apaisé. L'esprit est souillé. On va poli. Toi, tu es. Voilà. Tu es un démon. Prenez-le. Prenez-le maintenant, amenez-le. Laissez-le, enlevez-le du corps. Amenez-le ici. Et là, je vais appuyer. À genoux. Vous prenez le sur la prison. Mais les gars,
Nous avons le pouvoir sur toi. Parce que ton esprit a péché. Tu es celui qui a péché. L'esprit est là. Le corps maintenant. Le corps est pour sa hâte. Lève-toi, tu te réveilles. Tu vois, et tu pleures un peu. Tu pleures un peu. Parfois, tu pleures. Va bien en prison. L'esprit est souillé. L'esprit est à terre. Et le corps souffre. Tu la tête. C'est comme ça la vie de plusieurs. Maintenant, on continue à respirer ça. Non, continue comme ça. En même temps, l'esprit reçoit la même essence. Et l'esprit, ça veut dire je suis sauvé. Je suis sauvé. Son âme, quand Dieu dit je suis sauvé, son âme là, elle souffre. Il a dit Je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut.
de la terre. Mon esprit, mon âme, mon corps appartient maintenant à Jésus. Qui est content ce soir? Qui est touché? Jésus. Oh, ce soir là, nous allons opération délivrance. Et ça va se passer par la parole. C'est pourquoi au début les saints sont là. Ils sont là. Et vous allez voir la fin, il y aura des miracles. Signes extraordinaires. Votre esprit sera dans la sainte doctrine. Votre âme dans la sainte doctrine. Votre corps va jouir du bonheur, de la prospérité dans la sainte doctrine. C'est clair et net. Maintenant, l'enseignement peut commencer. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, par le péché qui suit l'esprit, l'âme devient emprisonnée. L'âme devient emprisonnée dans des prisons liées au péché. L'âme devient emprisonnée dans les prisons liées au péché. Et l'âme subit des malédictions. À cause du péché de l'esprit, à cause de la souillure de l'esprit, l'âme subit des malédictions. L'âme subit des oppressions. L'âme subit des emprisonnements spirituels. Donc l'âme est spirituelle. C'est pourquoi ce soir nous allons parler plus de l'est de l'âme. Mardi nous avons parlé de l'esprit. Aujourd'hui nous parlons de l'âme. L'âme aussi est dans le spirituel. L'âme aussi est dans la spiritualité. Mais dans le globe de la terre invisible et visible. On ne voit pas et qu'on voit. Voilà. Donc, l'âme est dans la corruptibilité. L'esprit n'est pas dans la corruptibilité. C'est pourquoi l'esprit doit être connecté à l'éternité. L'esprit doit toujours se référer à l'éternité. Lorsque ton esprit ne se référe plus à l'éternité, ta chair, l'âme et le corps vont avoir du pouvoir sur toi. Parce que l'âme, sa résidence, c'est dans le corps. Oh, le corps est dans la corruptibilité. Alléluia. Ainsi, nous disons que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Timothée, 2 Pierre 2, verset 19. Les deux derniers jours sont jours de rédemption. Jeudi, vendredi, jour de délivrance de rédemption. Samedi, nous aurons question-réponse. Et après question-réponse, nous aurons un bonus. Samedi, après question-réponse, nous allons entrer dans le combat spirituel. Qui est content? Après question-réponse, samedi, nous allons entrer dans le combat spirituel. Combat spirituel. Combat spirituel. Prière intense. Prière intense, intense, intense. Ce soir, nous allons enseigner beaucoup. Prier un peu. Demain, nous allons enseigner un peu et prier beaucoup. Oui. Nous disons, alors, dans 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a fait de lui. Chacun comment? Esclave de ce qui a triomphé de lui. Es-tu esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Est-ce la malédiction? Tu es esclave de la malédiction. Est-ce la corruption? Ainsi tu es esclave de la corruption. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce soir, ce qui a triomphé de toi te va te libérer. Et tu, je déclare que tu es libéré déjà. Amen.
au nom de Jésus. Ainsi, nous disons que si l'âme est terrestre, mais spirituelle, l'âme, son domaine de définition, ou sa région, ne peut accéder le monde surnaturel. Ni le monde spirituel où Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors, l'âme ne peut accéder ni au ciel de perfection invisible dans l'éternité, ni au troisième ciel. D'abord, l'origine de l'âme n'est pas de l'éternité. L'âme a existé sur la terre. L'âme a emprunté une partie de l'esprit. Alors nous disons que l'âme n'habite pas dans le monde surnaturel. Ni dans le troisième ciel. Mais l'âme est dans le spirituel. En dessous le du troisième ciel. La volonté de Dieu est que l'esprit de tout homme qui croit en Dieu, en Jésus, soit attaché au ciel. Et que l'âme de tout homme soit dans le corps. Dieu n'a jamais voulu que notre âme quitte notre corps pendant que nous vivons sur terre physiquement. Il ne veut pas que notre âme sorte de notre corps. Et pour expliquer, on refait un autre schéma. Esprit, âme, corps. Esprit, âme et corps. Ou bien, esprit, âme et corps. L'esprit est sauvé. Comme vous êtes souviens. Ou bien. L'âme n'a pas encore reçu la délivrance. Voilà, l'âme est emprisonnée quelque part. Elle va battre la vie. L'âme est emprisonnée quelque part. Le voile les gars comme la pierre. Maintenant, il ressort l'esprit et le corps. Et est-ce que l'homme peut vivre sans l'âme sur la terre? Est-ce que l'homme peut vivre sans l'âme sur la terre? Au ciel, il peut être ici. Le type atteigne beaucoup. Mais sur la terre, l'âme doit être là. Pour garder l'esprit qui est le souffle dans le corps. C'est l'âme qui maintient l'esprit dans le corps. Et c'est le corps qui maintient l'âme. Vous comprenez? Donc, alors il y a une vie dans l'homme. Donc, si un homme perd son âme, d'une manière réelle, d'une manière naturelle, d'une manière, c'est-à-dire animal, c'est-à-dire si l'âme quitte le corps, c'est la mort. C'est la mort. C'est ça qu'on appelle le détachement du corps, cordon d'argent. Ecclésiaste dit, lorsque l'homme meurt, le cordon d'argent est tout. C'est-à-dire, il y a le vase d'or qui est brisé et le cordon d'argent est aussi brisé. Maintenant, vous posez la question, vous vous dites toujours, si on dit que son âme n'est pas dans son corps, son âme est emprisonnée, mais pourquoi il vient encore sur la terre? Combien? Vous posez cette question, non? On dit que cette âme-là qui est emprisonnée, c'est l'âme spirituelle. Mais il y a une autre âme qui reste dans le corps. Pendant que la partie spirituelle de l'âme est emprisonnée, mais la partie naturelle ou charnelle de l'âme qui est dans le corps, c'est cette partie qu'on appelle le sang. Est-ce esprit, âme
Et comme c'est quoi ma vie que son âme spirituelle est dans les prisons. Tu vois, comme toi, elle est gars comme un. On le voit encore marcher sur la terre. Oh le poème, elle est son âme. Parce que l'âme est. Je vous ai dit que l'âme a deux natures. Mais la vie spirituelle. La vie spirituelle qui est emprisonnée dans les prisons. Et la nature, naturelle, terrestre, chaleur, est le sang qui est resté dans le corps. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que. Non, lève-toi. La volonté de Dieu a tenu vos conseils. Voilà. La volonté de Dieu est que l'âme. Soit l'âme qui est lui-même, partie spirituelle, partie naturelle, tu veux que les deux soient le corps, esprit, âme et corps. Âme, partie spirituelle de l'âme dans le corps, partie naturelle ou terrestre de l'âme dans le corps. Mais quand l'âme prise en possession. Quand l'âme est en prison, les démons viennent faire quoi? Les marchands de Satan viennent faire quoi? Tu vois? Ils détachent l'âme, la partie spirituelle. Ils vont le mettre dans le prison. Or, c'est cette partie spirituelle qui doit vivre la vie de l'esprit. Parce que ça c'est naturel. Est-ce que l'esprit et la chair ont une combinaison? Voilà que les démons viennent arracher la partie spirituelle et mettre en prison et le torturer. Pendant que cette partie spirituelle est torturée, lui dit aïe. Au corps, parce que le corps est l'âme du sang
il dit le corps et le corps devient corps spirituel qui va payer à vous. Qui comprend? Attends, Jésus, maman, comment? Donc, Jésus lui veut dans la sainte vie. L'esprit, l'âme, le corps, soit tout seul en bonne sécurité. Et je déclare par la sainte vie spirituelle, même maintenant, ton âme retrouve la paix. Ton âme retrouve la paix. Que ce soit là où ton âme spirituelle est, le Seigneur enlève là. Ton âme spirituelle sort de la prison. Sort de la prison pour adorer le Père. Pour adorer le Seigneur. Quand dit Seigneur, tout lieu où ils m'ont mis dans la prison, c'est là où ça m'irrite. Vous comprenez? Laisse-le quand même. Ou bien quand tu sens une douleur, laisse-le. Ça, c'est l'amour du sang. Qui est intéressant à lui aux choses physiques. C'est l'amour qui est lié au sang. Mais quand le démon fait comme ça, qu'est-ce qu'il souffre là-bas? L'âme spirituelle. Le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas douter de votre salut. Non. Pour votre salut, vous êtes sauvés éternellement. Mais sur la terre, l'âme doit vivre en paix. Ton esprit peut avoir l'assurance de ton salut et né de nouveau. Mais tant que tu ne reçois pas la délivrance de ton âme, tu seras en souffrance, maladie sur maladie, douleur sur douleur. Tu seras en pleurs. La tombée va sonner, tu iras au ciel. Oui, tu iras au ciel si ton esprit est souffert. Mais sur la terre, tu as souffert. Tu as gémi. Tu gémissais sur la terre. Est-ce que c'est bon? Oh Dieu, c'est sur la terre qu'on habite d'abord, avant d'aller au ciel. Alors, si je ne suis pas, je n'adore pas Dieu, normalement sur la terre. Si je ne loue pas Dieu, mon âme ne loue pas Dieu, comment je serai en paix? Et là, parfois, l'âme emprisonnée même, si elle n'est pas délivrée, parfois même, peut influencer l'esprit. Les démons peuvent commencer par contrôler l'esprit. Si l'esprit n'est pas affecté, l'esprit ira dans l'éternité. Pendant que l'âme n'est pas. L'âme est tourmentée. Mais si l'esprit est affecté, pas l'âme tourmentée, c'est la mort. Et c'est l'enfer. Jésus vous délivre au nom de Jésus. Il nous restaure au nom de Jésus. Par les standards de la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. 2 Timothée 2:19. Donc l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé sur lui. Ou bien. Alors. Son âme maintenant qui est esclave. Où il y a cette âme on appelle l'âme spirituelle. L'âme spirituelle. Alléluia. Faites photo, on va faire le tableau. Je vais vous faire un schéma pour vous expliquer que c'est une réalité. Nous allons expliquer comment ces prisons sont organisées. La prison dans laquelle l'âme spirituelle est allée là. Nous allons expliquer comment ces prisons sont organisées. Et comme nous allons l'expliquer, nous allons expliquer comment le diable va mettre ses âmes dans les prisons. Qui me comprend ces réalités? Qui me comprend? Ce sont les grandes réalités spirituelles. C'est ça qu'on appelle les grandes réalités du monde spirituel. En fait, tu montes. Si tu connais cette réalité maintenant, là, tu vas plus s'amuser avec ta vie. Si tu connais cette réalité maintenant, tu sauras comment prier. Alléluia, gloire à Jésus, acclame Jésus. Qui est édifié ce soir? Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous allons parler de cette prison qui triomphe des âmes.
Nous allons parler de cette prison qui triomphe des âmes. Il a compris le cas dans le manger. 1 Jean 5, verset 19. Johannes Pagbane, quand tu t'attends pour les âmes, il y a ses cœurs. 1 Jean 5, verset 19, je lis au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais il n'y a pas où et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. De quel monde parle-t-on ici? Réponse. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ce qui veut dire que ce monde entier est dirigé par qui? Par le malin de Satan. Alors de quel monde s'agit-il? Le monde visible ou le monde spirituel? Le monde, d'abord quand on dit ce monde, ne voyez pas le troisième ciel. Est-ce que le troisième ciel qui est le monde où Jésus a la gloire de Dieu peut être gouverné par Satan? Non. Donc sachez les actes, le monde dont nous parlons ici, c'est un monde en dessous du troisième ciel. Alors, le monde entier est sous la puissance du malin. De quel monde parle-t-on? Est-ce le monde visible? Alors, qui est le peuple quoi? Ou le monde spirituel? Alors, pourquoi? Dirigé par Satan. Il est Satan le peuple. De quel monde qui est sous la puissance du malin? C'est d'abord le monde spirituel. Et si ceux qui sont dans le monde physique ne dominent pas Satan qui agit dans le monde spirituel, c'est eux qui sont dominés par lui. Parce que tous sont du spirituel avant d'apparaître dans le physique. Donc le monde spirituel qui est sous la puissance, mais le monde qui est sous la puissance de l'ennemi est le monde spirituel où Satan lui gouverne. Il y a deux types de monde spirituel. Le monde spirituel où Jésus est le chef. Il y a le monde spirituel organisé par Satan. Ça, c'est le monde qui est sous la puissance du Père. Dans le monde qui est sous la puissance de l'ennemi, le monde spirituel, pas spirituel seulement. Le monde spirituel organisé par Satan. C'est bon? Alors, nous allons parler des hommes, de comment est organisé ce monde. Matthieu 16, verset 26. Vous allez mettre organigramme, c'est ça, organigramme même. Voilà, organigramme du monde spirituel gouverné par Satan. Et tu mets en parenthèse les prisons des âmes non délivrées ou non rachetées. Organigramme du monde, en parenthèse, les prisons des âmes non rachetées, non encore rachetées. C'est bon? Et quoi? Oui, j'ai dit. Mathieu 5, organisation. Organigramme ou organisation? Oui. Après, on peut mettre n'importe quel. Organigramme du monde spirituel gouverné par Satan. Tu mets en parenthèse les différentes prisons qui triomphent des âmes non encore rachetées. Matthieu 26. Donc, quand la Bible dit n'aimez pas le monde là, hein? C'est de ce monde on parle. Ne parle pas de ça, on parle. Quand on dit n'aimez pas le monde, on ne parle pas de ça. Les choses que vous voyez physiquement. Parce que le monde spirituel, vous ne voyez pas Satan. Ça ne parle pas de physique. Tout sort du spirituel avant de venir dans le physique. Donc on parle des royaumes, du royaume que Satan dirige. Spirituellement. Et c'est là maintenant il guide les choses et il ramène les choses qui sont spirituelles. Pour qu'il devienne physique. Les paroles de Jézabel dont nous parlons, c'est pas de la terre sacrée. Quand on dit paroles, c'est pas de la séduction. Ça vient du monde spirituel. Vous ne venez pas Satan. Avant d'apparaître physique.
Donc quand il n'aimait pas le monde là, nous le regardons alors qu'il est le papa de ton frère. On ne dit pas de Dieu les haïs. Quand il n'aimait pas le pain de l'homme, on ne dit pas ça amène à l'enfer. Quand il n'aimait pas le monde, les vers, même on ne dit pas que les vers mènent à l'enfer. Qui me comprend? Qui me comprend? Quand il n'aimait pas le monde là, comprenez ce qu'on dit. On dit que ce monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Oh, mais qui est le bouton? Et on vient de comprendre que le monde qui est sous la puissance de l'ennemi. Le monde spirituel qui venait par Satan. Donc d'abord. Quand on dit l'homme spirituel ne voit pas d'abord les choses physiques. Quand on dit il n'aime pas le monde là, le voyant ne marche pas par la vue. Mais ce que les yeux voient, qui sont d'abord le monde. Mais ce que les yeux spirituels voient, ce qui est négatif, qui est abominable, que le monde spirituel a organisé pour contrôler le physique. C'est le monde qu'on ne doit pas aimer. On dit tous les prix pour ce qui est plus. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La vue là, va te dire que c'est sa vie que conduit à la foi. Tu vas pouvoir diaboliser toutes les choses. Et triangle. Ça n'a rien à faire. Ah, c'est trop sûr. C'est diabolique. Oh, c'est là le cas. Il se dit que c'est. Il se dit que c'est. C'est ce qu'il ne voit que les choses physiques. Oh, nous nous sommes organisés spirituellement. Nous ne sommes plus forts que. On voit l'ignorance. Il est tout dominé. Si on commence pas à voir les choses physiques, tu n'auras plus le discernement. Parce que tu commences à voir tout physiquement. Là, tu commences à discerner physiquement. Tu vas globaliser tout comme ça. Ou tu vas mettre même les mauvaises choses pour que les mauvaises choses soient aussi de Dieu. Parce que tes yeux, tu dis les yeux physiquement. Quand tu imagines pas la foi, on parle du spirituel. On dit l'homme spirituel fait quoi? Juge de tout. Il ne juge pas par l'apparence. Non. Désormais, le ciel veut que vous le jugiez. Le ciel ne veut pas plus que vous jugiez selon l'apparence. Mais vous le jugez selon l'esprit. C'est ça le jugement. Parce que si vous jugez selon l'apparence, le diable va prendre. Il va prendre une femme dépouillée. L'esprit va te dire, cette personne, elle a été priée, personne n'est assurée de sa part. L'esprit va dire, cette personne n'est pas encore été priée, mais son cœur aime Dieu, son cœur est attaché à Dieu. C'est pas lui qu'on juge d'abord. L'esprit te dira, il est ignorant. Quelle ne sont pas été priée, elle aime le Seigneur, avec Dieu. Alors laisse te dire là, comme elle n'est pas de toi, elle aime Dieu. Comme moi, j'aime Dieu, je connais. Comme elle est ignorante, elle doit faire quoi? Lui communiquer la connaissance que je connais. Qu'elle me connaît. C'est clair. Mais quand on dit, on comprend mal, il n'y a pas le monde là. C'est la mère. Il arrive vos parents. Vous avez détesté vos parents. Vous avez détesté même. Tout ça, les voitures sont dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Les chiens sont dans le monde. La vie que j'ai portée, c'est dans le monde. Si vous comprenez mal, c'est ça qui est le monde. C'est ça qui est le monde. C'est ça qui est le monde. Si c'est ça, ça manque notre chair aussi. Elle est diabolique. Parce que notre chair n'est pas d'abord spirituel. Désormais, le voyons, le jugeons plus selon l'apparence. Ni pas la vue, ni pas la chair. Jugeons selon l'esprit. Pour que notre jugement soit guéri. Acclame Jésus. C'est clair.
Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il, que donnerait un homme à l'échange de son âme? Mais qui rachète ce livre? Amen. Ok, oui. Lisez-moi le verset. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme à l'échange de son âme? Elle a bien appris de Kawanyena Ame. Bena, Wakita, Katananieto, Apple Lubona, Boum, maintenant, de quel monde parle-t-on ici? Visible. Oh, je vous ai expliqué ici. Reprenez la lecture. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? De gagner tout le monde. S'il perdait son âme. Où? C'est d'abord quel monde? Un monde physique. Non. Tu veux gagner tout le monde physique, mais ça perd ton âme. On l'a dit. Non. Le gagner le monde physique là, c'est la bénédiction. Tu veux gagner les choses de ce monde physique. Mais ça, c'est pas un signe de bénédiction. On a perdu notre âme. On a perdu notre âme pour avoir pris le vie. C'est le monde physique, non? La voiture qu'on a. On continue la voiture. On a pris dans l'avion. Est-ce qu'on a perdu notre âme? Alors de quel monde il s'agit? Du monde spirituel? Dirigé par qui? Maintenant, dans la terre spirituelle, il y a une partie qu'on appelle lieu de repos. Hier, je vous ai expliqué ça, bien ça. Je vous ai dit que quand les âmes meurent, ils vont dans le lieu de repos. Oui, d'accord, vous avez compris? Quoi? Et le lieu de repos n'est pas dans le troisième ciel. C'est dans la terre. C'est pas cette terre physique. C'est la terre spirituelle, l'univers spirituel. Mais qui est au-dessous ou bien en dessous du troisième ciel. Donc les morts qui se leur âme maintenant sont dans le lieu de repos, dans les airs, et s'approchent du troisième ciel. Mais ils ne sont pas au troisième ciel. Donc c'est les esprits qui iront au troisième ciel et au lieu de perfection invisible. On appelle le septième ciel. Gloire à Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Donc, il y a la terre spirituelle, la terre physique, la mer. Donc le diable est descendu dans la terre spirituelle. En même temps qu'il descend dans la terre spirituelle, il peut influencer sur la terre physique et aussi dans la mer. C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons classifier, nous allons faire l'organigramme maintenant. Il y a bien un mal au bon, alors il fait comme ça. Comme ça. Excusez. Voilà. Je vous montre que vous faites ça. On fait comme ça. On fait toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 2. Je vous montre, c'est une révélation. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens, le chapitre 2, verset 1. Commencez-vous. Vous étiez mort par vos dépenses. Vous les mettre chaque verset là. Vous faites un ça. Ah, vous voyez, vous faites d'abord comme ça, pour les versets là. Vous faites comme ça, vous mettez les versets après, comme ça, ensuite, sur ça. Là, les versets sont ici. Hein? Éphésiens, le premier. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Hein? Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Quel monde? Selon le prince. Repas. Selon le train de ce maintenant, monde. Maintenant, monsieur, vous expliquer les mondes dans la Bible. Quand vous voyez un monde, maintenant, vous savez quel monde. Quand vous voyez un monde, vous savez que ça, c'est le monde physique, vous saurez. Quand vous voyez un monde spirituel dirigé par Satan, vous savez maintenant. Si vous voyez un monde surnaturel, vous savez encore. Si vous voyez un monde spirituel dirigé par Jésus, vous le saurez encore. Ou bien? Ou bien? Voilà. Reprends. Vous étiez mort par vos offenses. Vous étiez mort par vos offenses. Par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Le train de ce monde. C'est quel monde? Le monde dirigé par Satan. C'est ça. Tout est spirituel, ni n'est physique. Donc ce n'est pas le monde physique qui vous gouverne quand vous étiez dans le péché. C'est le monde spirituel gouverné par Satan qui vous dirigeait dans le péché. Parce que vous n'avez pas encore été racheté pour appartenir à Dieu. Vos âmes étaient emprisonnées et dirigées selon le bien de ce monde. C'est ça la montée. Quand il est en prison, le démon lui dit, fais comme ça. Ça, Jésus l'âme ici. Et avec l'âme contrôle l'esprit dans le corps. Et le corps agit selon la chair. Quand nous étions dans le monde là, ce n'est pas les choses physiques qui nous gouvernaient. Notre péché nous influençait des plus longs spirituels qui étaient passés à temps. Et c'est quand ça nous influençait des plus longs spirituels qui étaient passés à temps que dans notre corps nous péchons dans le monde physique. Et je vous ai dit hier que nous vient de la pensée. Or, la pensée est le siège de l'esprit. L'esprit est le siège de la pensée. De même que le Christ, tout ce qu'on fait de bien vient de notre pensée spirituelle et agit. C'est de cette même manière dans le monde, notre pensée spirituelle. Vous ne venez pas le Christ ou bien le Christ tout ce monde spirituel dirigé par Satan. Moi qui suis à Jésus, je suis dirigé par le monde spirituel dirigé par Jésus au troisième ciel. Voilà les choses. C'est pour ça que les choses se passent. Tu as le comprendre maintenant. Acclame Jésus. Selon le train de ce monde, selon le train de la puissance.
puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, par le prince. 1 verset 1 à combien? Là où vous êtes, c'est quel verset? Deuxième verset. Troisième verset, dis quoi? Troisième verset. Nous tous aussi. Ok, c'est bon. Un à Dieu. Mettez un à Dieu. Mettez, excusez-moi, vous voyez le chiffon. Prenez le bleu maintenant. Vous mettez maintenant. Maintenant. Le prince de l'armée de l'air. Vous appelez pas. Ça dit vous? Et vous fermez le cap. Prince de l'armée de l'air. C'est l'esprit qui dirige. Bon, bon, et que prenez. C'est bien leur péché là, la vie qu'ils ont menée là, dans le passé, c'est le prince de l'armée de l'air qui les avait dirigés spirituellement à commettre ce péché. Qui est-ce que vous comprenez? Maman, vous comprenez? Donc, dans le monde là, c'est le prince de l'armée de l'air qui les dirigeait. C'est un esprit désert. Dans d'autres versions de la Bible, on dit que cet esprit est situé entre ciel et terre. Entre le troisième ciel et la terre. C'est un esprit qui est suspendu dans les airs. Et c'est cet esprit qui règne au deuxième ciel qu'on dit souvent. Dans le monde astral. Prince de la vie de l'air. Mais Dieu a planté le deuxième ciel. Donc ça c'est l'esprit qui gouverne ce lieu. Donc ceux qui menaient une vie de péché. Les péchés qui viennent des airs. Les péchés que l'esprit des airs commande sur ma peau. Celui qui menait sa vie de péché sur la direction des esprits des airs. Son âme était emprisonnée dans le royaume des. Son âme était emprisonnée dans le royaume des. C'est clair? Maintenant. Esaïe fait 7. Esaïe 27, verset 1. J'ai le nom de Jésus. En ce jour. L'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Le monstre qui est dans la mer, c'est toujours Satan. Vous mettez, vous mettez maintenant le monstre de la mer. L'autre, c'est le prince de l'air. Celui-ci, c'est le monstre de la. Et vous mettez encore Satan en parenthèse. Ou encore ici, Léviathan. C'est ça le monde. Quand on dit l'aimer pour le monde, là. Nous, le voyons, c'est ce monde qu'on dit. Qui est le problème? Si vous aimez ce monde-là, votre vie sera dans les prisons de ce monde. Et vous obéirez aux lois spirituelles de ce monde. Les royaumes auxquels nous sommes assujettis, c'est leur loi qui gouverne notre existence. C'est les lois des royaumes auxquels nous sommes assujettis qui gouvernent notre existence sur la terre. Si spirituellement ton âme est assujettie au monstre de la mer, physiquement tu vivras selon les lois, les esprits, démons, démoniaques de la mer. Mais nous sommes délivrés en Jésus. Ok. C'est bon? Ça c'est la mer, non? Maintenant, Apocalypse 12, 9. À
Apocalypse 12, le verset 9. J'ai le nom de Jésus. Et il fit précipiter le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Jésus est Seigneur. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Le dragon de la terre. Donc ça s'appelle le prince de la mer de l'air, le monstre de la mer, et le dragon de la terre, ou encore appelé le serpent ancien. Ça fait trois grands royaumes que le diable va instaurer depuis qu'il a été précipité. Nous ne sommes pas en train de glorifier le diable. Nous sommes en train de vous révéler certains mystères. Qui va nous amener à la prière? C'est bon? Maintenant, vous allez mettre un Jean 5:19 ici. Encore ici. 5:19. La puissance de le monde entier, tout est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Ouais! Qui comprend maintenant? Mais quand on dit le monde entier sous la puissance de l'ennemi, vous avez compris? Non, le problème, c'est ce mot qu'on a mis au tableau. Pourtant, vous êtes très confronté à qui crée à où le blanc. Gloire à Jésus. C'est bon? Maintenant, nous sommes venus à une autre étape. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Maintenant, nous allons comprendre comment ce mot opère. Pour emprisonner les âmes. Monsieur va vous ouvrir les yeux. Et vous révéler comment ce monde opère pour emprisonner les âmes. Si possible, on va faire la démonstration, vous allez comprendre. Ici, nous allons comprendre le monde. Le monde spirituel. Dirigé par Satan, fonctionne par la loi du commerce triangulaire. Pour emprisonner ça. Qui connaît le commerce triangulaire ici? Qui connaît? Qui a entendu pas parler du commerce triangulaire à l'école? Le commerce triangulaire, tiens, mon frère, tiens, attention, le commerce triangulaire. On vend, ça dit, c'est achat et vente dans trois dimensions. C'est bon? Le commerce vient du. Qui connaît cette loi? Qui a présenté pour l'école? En réalité, c'est des choses qui existent dans le monde spirituel que le Dieu va révéler à ce prince du monde. D'agir, de faire pour prendre les hommes en prison pour les amener en esclavage. Ils viennent en Afrique et prennent les hommes physiquement et vont aller vont les mettre en esclavage en Europe, en Amérique et ça, à certains niveaux en Afrique. Ils viennent acheter les âmes. Je dis les hommes physiquement. Et les envoient dans les prisons. Et parcours, quittent l'Afrique, ils vont en Amérique. Non, Afrique, Europe, Amérique. Qui ouvre la prison? En réalité, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est comme ça que Satan opère dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle dans le monde des commerçants. On va vous expliquer comment le commerce triangulaire se fonctionne. Par là maintenant, toi, tu vas comprendre beaucoup de réalités. C'est bon? Ce commerce, cette loi du commerce triangulaire est une loi spirituelle satanique. Vous comprenez? C'est une loi spirituelle satanique.
par laquelle il exploite les âmes des hommes non encore rachetées dans ses prisons. Le Kakoyaomo. C'est compris? Avec quoi? Qui a tout noté? Mais quel est le une loi par laquelle, satanique par laquelle, cette loi du commerce triangulaire est une loi spirituelle satanique par laquelle Satan, oui, il exploite, oui, il exploite les âmes des hommes non encore rachetés. Osana a mauvais loupon et comme un couple le garon. Non encore racheté, non encore racheté. Il y a un couple. En triomphant Dieu dans les prisons. Et contre aussi le garon. Non encore racheté, figure. En triomphant Dieu dans les prisons. C'est ça la loi de l'esclavage spirituel. Hey, mais on peut dire cette loi spirituelle est basée, mais on peut dire que cette, ce commerce triangulaire est aussi basé sur la loi de l'esclavage spirituel. Ce commerce triangulaire est aussi basé sur la loi de l'esclavage spirituel. C'est les révélations ou bien? Ou bien? Oui. Acclame Jésus. Le commerce triangulaire. On va dire la Bible, c'est le procès de la Bible. C'est dans la Bible. Maintenant, ce triangle est un triangle équilatéral. Nous sommes en train d'entrer en mathéma. En mathéma. Acclame Jésus. C'est ça la science des mystères. La mathématique vient de Dieu. Ce n'est pas des hommes. Ça vient de Dieu. La mathématique est biblique. Ça, c'est au fondement de la Bible. Les gens de ce monde ont falsifié. Mais ce qu'ils enseignent n'est pas différent de ce que la Bible a déjà dit. Nous, il faut le faire la moto pour donner que l'on apprend. Vous avez déjà écrit équilatéral. Donc, les longueurs sont respectivement égales. Il y a un petit cas. Qui a le comprend? Mais qu'est-ce que c'est comme? On va faire le triangle, vous allez voir. Vous allez voir comment Satan organise son monde pour faire les commerces. Je vous l'ai dit, le Satan est un grand commerçant. Dans le monde spirituel, la loi du commerce opère. Satan est un grand commerçant dans le monde spirituel. Il achète, il vend dans le monde spirituel par la loi du commerce triangulaire. Mais il y a une autre loi qui dépasse la loi du commerce triangulaire. C'est cette loi qui anéantit le pouvoir. Et faites ça. Le triangle. Vous devez faire ça pour que ça soit conforme. Comme c'est équilatéral. Non, non, c'est trop petit. On va expliquer. Non, non, encore. Non, que ça soit. Encore, encore, venez ici. Comme ça. Comme ça. Attends, attends. Il y a deux jours, il y a. Excusez-moi. Vous voyez, ça veut ressembler. Mais il faut qu'on fasse que pour que. S'il y avait une règle, on allait mesurer. Il y a une règle. Mesurer, mesurer en même temps. Et on va montrer comment ça se passe dans la loi du commerce. Et vous allez voir que Satan là. Mais là, quoi, Satan là? Il achète beaucoup.
dans le monde spirituel. Il achète les armes. Il achète les armes. Il y a échange. Les sorciers sont avec lui. Les démons sont avec lui. Et je vous dis que dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos. Tu vois comment? Qui fait le commerce ici? Qui va faire un gros, qui va faire un achat ici? Vous ne faites pas, il n'y a pas de commerçant ici. C'est vous, vous êtes. Parce que si les clients viennent réellement et que vous savez de la provision ou bien du stockage, est-ce que vous vous reposez assez? Les gens viennent automatiquement. On passe. Il n'y a pas de repos dans le monde spirituel. Ces hommes n'appellent encore la loi des échanges dans le monde spirituel. Cette loi est divine et aussi satanique. La loi du commerce est divine. La loi du commerce est aussi satanique. Parce que Satan aussi exerce cette loi dans le spirituel. La loi des échanges, je l'exerce dans le spirituel. Satan aussi l'exerce dans le spirituel. Et il y a échange. Toujours il y a. Ça dit, il n'y a pas de repos. Si nous on si la terre l'homme dort, eux ne dorment pas. Et le monde spirituel, les anges ne dorment pas. Les démons aussi ne dorment pas. Mais nous on dort ça. Voilà, ici, mettez le royaume de l'air. Ici, c'est le trône de Satan dans le monde invisible. Et Dieu, Satan, veut qu'il y ait un feu, mais il y a. Mettez le rouge, non. Mettez l'angle. C'est quel angle on dit? C'est obtus ou quoi? C'est le mathématicien venu. Les trois angles, c'est quoi? Les trois angles d'un triangle équilatéral. Vous avez oublié. Angle obtus, c'est ça? Obtus. Aigu, les trois. C'est aigu. S'il était en droit, ça peut être et obtus. Les deux extrémités obtus, c'est ça? Je veux un mathématicien venir ici pour me montrer. Non, donnez l'espace, faites que ça soit. Non. C'est ce qu'il faut, non? Non, on va écrire dedans. Comme ça. Comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Je vous donnerai les versets. Vous allez voir tout est clair. Qui est content? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ok, c'est bon? Ici, c'est là le trône de Satan dans les airs. C'est là qu'il va mener beaucoup dans les fausses révélations de l'au-delà. Avec des mensonges. Inventer des choses charnelles. Il s'amène à l'enfer. Les choses qui ne mènent pas à l'enfer, il est dit s'amène à l'enfer. Et ils ont le zèle amer. Et combattront le royaume de Dieu. Il a ici un faux ciel. Elle doit dire quoi la ici aussi, il a l'enfer ici. Puis à son volet. L'enfer n'est pas seulement dans le monde souterrain. Qui le savait? L'enfer n'est pas seulement sous la terre. L'enfer est dans les airs. L'enfer est dans la mer. L'enfer est tout prison. Vous ne voyez pas ça. Quand les gens meurent, on dit qu'ils vont en enfer. D'autres vont sur la terre. D'autres dans les airs. D'autres dans la mer. Vous venez passer. Pourvu qu'ils n'aillent pas au troisième ciel, ni au lieu de répondre. J'ai un peu de comprendre. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Sans que la mer, il y a des prisons qui retiennent les âmes en captivité. L'enfer n'est pas forcément le feu. Non.
l'enfer avant le feu. Il y a différence entre l'enfer et le feu ténèbres. Le temps de feu qui est le feu ténèbres, c'est pour l'éternité. C'est à la fin de tout le temps. Ce n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer aujourd'hui qui est les prisons existe encore aujourd'hui. Qui me comprend? Voilà. Parce que le monde n'a pas encore été détruit, enroulé. C'est pourquoi cette prison existe encore. Comme des séjours, le séjour des mouilles, partie du séjour des mouilles. C'est bon? Qui sont ceux qui maîtrisent la géographie ici? La mer, c'est surtout où se situe? La mer, c'est dans le sud, non? C'est ça? Oui. Maintenant, entre l'est et l'ouest, parce que je veux que ceux qui maîtrisent cela maîtrisent. La terre, on met la terre où? À l'est? À l'ouest ou à l'est? Pour ceux qui maîtrisent très bien. Alors, entre la l'est et l'ouest, la terre se situe où? C'est l'est, hein? Vous allez voir la carte, c'est dans la carte, vous allez voir. Mais il y a pas la mer se situe où? Pour la mer. Je viens. La mer est. À gauche est l'est, à droite est l'ouest. Pardon? La gauche est l'est, la droite est l'ouest. Mettez en attendant la droite, mettez la mer. Je suis parti à Tchampo. Ça, c'est la géographie. Ok, on continue. Vu qu'on ne va pas forcément faire ça, on met les deux, on met un ici, on met ici. Vous comprenez? Les géographes pensent eux-mêmes, c'est encore. Ça, c'est naturel. On est dans le, ici, on est dans le spirituel. Notez terre ici. Notez un. Vous comprenez, non? Alors, pourvu que ça soit trois. Ou bien? Pourvu que ça soit trois royaumes. Voilà. Vous l'avez mis ici, non? Pardon? Ici, non? Non. Là-bas, ok. Donc, tu mets terre là. Non, c'est mieux. Non, mais la mer comme ça. En tout cas, on met les choses comme ça. Et je vous explique comment se passe la loi des échanges. Acclame Jésus. C'est bon? Oui. Donc vous allez mettre ici, c'est prison. Ici, la mer, trône de Satan dans la mer. Trône de Satan sur la terre. Ici, la terre, il y a le monde souterrain et le monde physique terrestre. Vous comprenez? Le monde sous la terre, c'est aussi la terre. Sur la terre, spirituellement, c'est aussi la terre. Et Anigman, il est bien. Ça, c'est le commerce triangulaire de Satan. Maintenant, où est l'homme dans ces trois mondes? Naturellement. Ici, Satan dans la terre. Ok. Mettez ici. Flèche. Il y a. Mettez. Thème. Mettez d'abord.
mais toute terre est égale. Terre spirituelle et physique. Ou bien non, non, laissez. Mettez ici. Mettez trône de Satan. De la trône. Voilà. Mettez la flèche comme ça ici. Où il va. Terre physique. Ou bien monde terrestre physique. Et monde souterrain. C'est mieux. Monde terrestre physique. Et monde souterrain. C'est ça le commerce triangulaire de Satan. Or l'autre qui est pour les nations, c'est Afrique, Europe, Amérique. Ou bien Afrique, ici, Europe, Amérique. C'est l'air, la mer et la terre. L'air, mer et terre. Ou bien. C'est ce que le sage c'est pour ça. Mais pour Dieu là, c'est droit. En mathématiques, on appelle ça langue droit. On va vous révéler pour Dieu aussi. Acclame Jésus. Pour Dieu n'est pas un triangle, non. Pour Dieu est une droite. Ayant un angle droit. Parce que l'angle droit, c'est l'angle le plus parfait, ou bien. Ça, ce n'est pas parfait. Voilà. C'est ça. Donc, il y a achat-vente. Mettez achat-vente. Oh, plein air. Achat-vente. Ça, c'est les prisons. Oui, achat-vente. Achat-vente. Donc ça fait comme ça, flèche, comme ça. Voilà. Donc chaque fois il y a achat, dans le monde spirituel. Je vais vous donner les versets, vous allez voir que tout est dans la Bible. La loi du commerce triangulaire de Satan. Satan a mis ce assitata et tout bien pour ton jiton. C'est par là qu'il achète les âmes dans les prisons. Et je vous dis que dans le monde spirituel, tout, rien n'est grave. Dans le monde spirituel, rien n'est grave. Tout est payant. Tu vas voir quelque chose dans le monde spirituel, tu dois payer. Et le monde spirituel régit la loi des prix. C'est comme dans le commerce. Il y a la balance, la balance. Il y a la loi des balances, la loi des échanges. Il y a les prix qu'on paie. Des échanges qui se font dans le monde. Pour acheter là, tu donnes un prix. Et le fournisseur prend le prix et tu donnes la marchandise. Et Satan, c'est dans le monde spirituel, il y a un prix à payer. Pour une chose à recevoir. Je concentre le mot spirituel. Rien n'est gratuit. C'est pour dire que pour être sauvé là, le royaume des cieux n'est pas français. Pour être sauvé, c'est la grâce. Ce n'est pas la violence qui sauve. Oui, ça c'est pour le salut éternel. C'est ça pour être de Dieu. Pour avoir la vie éternelle là, rien n'est pas violence. C'est pas la grâce. C'est ça, le salut, la soin du salut. Mais quand on entre dans le monde spirituel, ça devient fort. C'est parce que c'est ceux qui ont l'argent. Quand on dit argent, c'est pas physique. Ceux qui ont un prix spirituel qui peut arriver à travailler dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, tout est forcé. Et c'est violent. Ceux qui sont. Si on dit que c'est un tos, c'est une activité, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, pourquoi chacun pour soi, on ne voit personne. Ça, c'est dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est clair? Acclame Jésus.
Gloire au Seigneur Jésus. Donc ce triangle équilatéral dont les côtés ont les mêmes longueurs est le socle d'un échange commercial satanique. Nous allons dans les écritures, vous allez voir les versets clairement. Acclame Jésus. Ézéchiel 27. C'est de la Bible. Ézéchiel 27. Et quand on finit ça, on va vous expliquer la loi spirituelle qui a le pouvoir de vaincre la loi du commerce et la guerre. Dans le monde, dans l'histoire, on a appris que il y a un décret qui est sorti qui a renversé le commerce triangulaire. Ou bien, qui a cessé. En Christ aussi, il y a un décret qui a fait cesser le commerce triangulaire. Ézéchiel 27. Ézéchiel chapitre 27. Avant de me séparer, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur toi une complainte. Tu diras à Tyr, oh, toi qui es assise au bord de la mer. Qui est-il ici selon la révélation? Je vous explique ça le lundi. Qui est-il ici selon la révélation? C'est qui? C'est ça? Réponds. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur toi une complainte. Tu diras à Tyr. Oh, toi qui es assise au bord de la toi qui es assise au bord de la donc Satan est au bord de la mer. Donc, il travaille avec la mer. Il gouverne la mer. Quand tu es au bord de la mer, là, ça veut dire qu'il commande à la mer. Où est la on appelle la mer là-bas? C'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qu'il fait au bord de la mer? C'est ce qu'il faisait les tyrans. C'est ce qu'il faisait les ceux qui faisaient la traite négrière. Il faisait ça où? À la mer. Il faisait les échanges au bord de la mer. Et envoie les esclaves sur l'eau. Et les envoie dans les prisons. Où vient de la Bible? Vous avez dit que le physique vient du spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Satan fait au bord de la mer? Et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre de pays. Il fait quoi au bord de la mer? Il fait quoi? Il trafique. C'est quoi le trafic? C'est le commerce. Avec les peuples, les hommes viennent faire lui et vendent leur âme. Lui achète, il achète leur âme en donnant des miettes. C'est ça, les tyrans d'Europe, d'Amérique faisaient. Ils venaient avec des miroirs, avec des bibles. Des canassiques, avec des radios, des choses bizarres, des choses inutiles, des prix délicats, des choses vaines, l'homme même, l'argent même, ils viennent avec ça. Et vont aller donner au roi. Et eux livrent des sacs, des sommes qui sont très chères en plus au retour des miettes. C'est ça la Bible dit. La parole de Dieu se passe quand les âmes sont dans les prisons. C'est ce que le diable fait pour acheter les âmes dans les prisons. Tu diras à qui? Tu diras à qui? Oh, toi qui es assise au bord de la mer. Et qui trafique avec les peuples. Toi qui trafique avec les peuples. Deux grands noms dit. Ça veut dire trafique avec les peuples. Ça, c'est le commerce avec les peuples. Tais-toi, hein. Trafique avec les peuples. Ça, c'est les commerçants, hein. Continue. Ainsi parle le Seigneur. Qui? Je suis parfaite en beauté. Satan disait, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ton territoire, c'est où le territoire? L'un de ces royaumes est où? Au cœur de la mer. Où est la mer?
Nous avons dit ici. Non, il t'abonne, c'est ici. C'est ça. Mais ici. Oui, c'est ça. Celui qui a dit que c'est à gauche là, c'est ça. C'est ça. C'est ça, la mer a été le deuxième qu'on a mis ici. Comme ça, suit l'autre. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est la mer. Voilà. Donc, son territoire est au cœur de la mer. Il fait quoi au cœur de la mer? Il n'a pas mis à Tchapouba Jim. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Mmh. Avec des cyprès et des cenis, ils ont fait tout un lambris. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Mmh. Ça, c'est les richesses. Hein? Ils ont fabriqué Ils ont fabriqué des rames avec des chaînes de basan. Mmh. Et des bancs avec de l'ivoire. Mmh. Travaillé dans du puits. Et apporter des îles de Kittim. Mm-hmm. La fin l'est. Le fin l'est d'Égypte avec des broderies. Te servaient de voiles et de pavillons. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles de Richard. Mm-hmm. Formaient des têtures. Les habitants de Sidon et d'Anval étaient tes rameurs. Mm-hmm. Et les plus experts du milieu de toi. Mm-hmm. Oh, Tyr. Étaient tes pilotes. Mm-hmm. Les anciens de Gebal. Mm-hmm. Et ses ouvriers habiles étaient chez toi. Mm-hmm. Pour réparer tes fissures. Mm-hmm. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi. Mm-hmm. Pour faire l'échange de tes marchandises. L'échange de tes marchandises. Quelles sont ces marchandises? Quelles sont ces marchandises? Les âmes spirituelles qui ne sont pas encore rachetées par Jésus. Il fait les champs des marchandises. Ça, les rois du commerce sont triangulaires. Dans le monde spirituel, tout ça. Les marchandises sont les âmes qui ne sont pas encore délivrées. Continue. Ceux de Fès. De lui et de pute servait dans ton armée. C'était les hommes de guerre. Quand il pèse tout ça là, c'est les hommes, les déchus, les démons, tout ça. D'abord, je laisse les gens du ciel, les démons. Si vous comprenez. Il le roi du Perse. Oui, continue. Il suspendait chez toi le prince de la mer. Donc on dit, le roi de Perse est le prince de la désert. Dans Daniel 10 ou 12, on voit que la prière de Daniel a été arrêtée par un esprit de Perse. Ou bien, le roi de Perse, c'est un esprit qu'on appelle souvent l'esprit des airs, qui est retenu au deuxième ciel, dont on appelle règne du ciel. C'est Satan qui opère dans les airs. Donc, c'est ce qu'est-ce qu'on appelle ici Perse. Et quoi encore? On appelle le Perse. Ça, c'est les airs. Mettez Perse. Roi de Perse des airs, roi de Perse de l'air, roi de Perse de l'air, hein? De lutte. C'est lutte. Voilà, de lutte, hein? Et de pute. Il faut combien? Trois ou deux? Trois. Voilà, les trois qui servent dans la mer. L'un est le roi de la mer. L'autre, c'est les airs. Et l'autre, c'est la terre. Les trois. Donc vous notez les trois. Les trois sont les trois chefs de l'armée de Satan. Perse, lutte et pute sont les trois chefs respectivement de l'armée de Satan. Continuons. Jésus est Seigneur. Venez au 12. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi. Mais moi, je lis. Vous n'êtes pas. Lisez bien. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi. À cause de tous les biens que tu avais en abondance d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Ils pourvoyaient les marchés. Ils pourvoyaient tes marchés. Vous voyez les marchés? On va des marchés, non? Oui. Ça se passe les âmes. Dis, lève-toi pour là. Lève-toi, réveille-toi. Dis Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, je confesse que jamais
marchandise de stockage au royaume de Satan. Je déclare que mon âme appartient à Jésus. Je déclare que mon âme ne sera jamais objet de trafic. Je déclare que mon âme ne sera jamais objet de commerce dans le monde spirituel. Je déclare que mon âme appartient à mon esprit. Que mon âme vit dans mon corps pour louer l'Éternel. Jamais servir Satan. Je déclare, je confesse que mon âme n'appartient pas aux grands prisons. Je promesse bien bien. Je déclare que mon âme n'ira pas dans le commerce bien bien de Satan. Par le nom de Jésus, par l'autorité de Jésus qui m'a donné par la foi surnaturelle, je déclare que mon âme est invisible au loin du commerce bien bien. Mon âme ne sera jamais soumise. On connaisse, priez pour le Satan. Priez pour le Jésus. Je le prie. Priez pour le Jésus. Priez pour. Je déclare que mon âme ne sera jamais soumise. On connaisse, priez pour le Satan. Tu n'es pas dans ce commerce. Tu n'es pas dans ce temple.
cause de ta fille qui est avec toi. À cause de tous les biens que tu avais en Babylone. Ceux de ta fille sont les gens de ce monde. Je vous explique, relis-moi ce verset. Ceux de Tarsis sont les gens, les autorités écrivées. Les gens de Tarsis sont les autorités du monde des ténèbres. Pas les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Les sorciers sont les gens de Tarsis. Les satanistes sont les gens de Tarsis. Et on dit ici quoi? Que si les gens de Satan, si ces sorciers, ces satanistes font quoi? Ces magiciens font quoi? Ces occultistes font quoi? Trafic avec qui? Avec qui? Avec Satan. En collaboration avec Perse, Lude et Pute. Avec Perse, Lude et Pute. Ou bien? Avec le prince de l'air, le prince de la mer et le prince de la terre. Ou bien? D'argent, de fer. Ceux de ta fille trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Qu'est-ce que ces biens? Les pierres précieuses. Combien? Ces biens-là, à qui ça appartient? C'est notre bien, non? Il a volé où? Lorsqu'il était au ciel, il était habillé en pierre précieuse. Or, ce qui est au ciel nous appartient. Quand il était au ciel, par sa rébellion, il a même corrompu les âmes par sa beauté. Il a corrompu les âmes par sa richesse. Ou bien, il a commencé par pratiquer la loi des commerces au ciel. Ou bien, donc, il va descendre avec nos richesses sur la terre. La richesse qui sont célestes là. Il va descendre. Il ne va pas les laisser là-bas. Et il va faire quoi? Il va commencer à trafiquer avec les gens de Tarsis. Les gens de Tarsis sont ceux qui sont sur la terre physique. Les gens de Tarsis, oui, ici, c'est ça, tu vas créer une bâtisse. Les gens de Tarsis sont ceux qui opèrent dans le monde physique. Les sorciers. Les sorciers. Les occultistes, les magiciens. Et c'est voilà. Donc il va commencer par prendre les richesses et aller donner ça comme des prix. Pour acheter les âmes de ceux qui viennent vers lui pour gagner le monde. Les gens vont voir Satan pour dire, je vais gagner le monde. Et Satan lui dit, donc ton âme, alors fais ton sang, nous allons prendre ton âme spirituelle, et prends ton âme, et c'est là maintenant, on va te donner l'argent que tu veux. Parce que ce monde, c'est l'argent qui vient du royaume spirituel de Satan. Ton âme maintenant physiquement. Donc toi tu viendras prendre ton âme spirituelle. Mais en versant ton sang physique. Donc Satan va prendre l'âme spirituelle. Et prend les miettes. L'argent qui appartient aux chrétiens. Depuis le ciel, qu'il a volé. Il a donné une paix aux gens. Aux gens aux gens de ce monde qui vont vers lui et faire la loi des commerces pour gagner le monde. C'est ce que la loi du commerce est en train par l'histoire. Il vient pour poser des miettes pour acheter les hommes. Et les gens qui achètent, vendent ces hommes et prennent les miettes. C'est ainsi que les hommes vont vers Satan. C'est ainsi que les gens de Tarsis vont vers Tyre. C'est ainsi que les gens de la terre qui adorent Satan vont vers lui. Pour lui dire, je veux gagner le monde. Je veux gagner les pieds du monde. Je veux gagner la gloire du monde. C'est pas la gloire de Dieu. Satan m'a dit, donne ton âme. Et là, lorsque tu me donneras ton âme, je vais te donner l'argent, la richesse que tu veux. Or, c'est la richesse qui a été volée. Jésus a dit à tes prix et tout. Nous, bon, cette richesse n'appartient plus à Satan. Ta richesse n'est pas dans la main de Satan. C'est en toi, par Jésus-Christ. Mais eux, ils prennent cette richesse. Pour la perdition totale. Satan va prendre leur âme spirituelle et va mettre dans une prise. S'il demande la gloire, il baptise avec l'esprit de la mer. Satan va prendre son âme spirituelle et cacher son âme spirituelle dans la prison de l'âme.
sont dans l'iniquité, qui refusent d'être rachetés par Jésus, sont aussi dans la prison. L'une des trois prières. C'est ça la loi du commerce triangulaire de Satan. Continue. Demain, nous allons faire la suite. Continue d'abord. On va finir aujourd'hui. Verset 13. Javan, tu vas et mes chers trafiquer avec toi. Il donnait des choses. Ouais, il y a deux trois ici. Javan, Tubal et Méchette. Ça fait encore les trois. Ou bien les trois respectives. La terre, le royaume de l'air, de la mer et de la terre. Comme on a mis ici. Près, Père, et Père, Ludon et Poutine. Javan et qui? Javan, Tubal et Méchette. Les trois sont aussi les esprits qui gouvernent. Les trois sommets du triangle, non, de la du commerce triangulaire de Satan. Lequel ils volent, ils achètent et emprisonnent les âmes. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles des reins. Ouais. En échange de tes marchandises. Dans l'échange des marchandises, on donne des ustensiles. L'ustensile des reins, c'est des choses bien bas. Les ustensiles de pour voler leur âme, pour prendre leur marchandise. C'est la loi du commerce triangulaire. Les trois. Il opère avec les trois différents. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux. Ils sont là de révéler ce qui se passe dans le monde spirituel avec les démons. Les autorités, les sorciers. C'est ce qu'on a dit de dévoiler ici. Ceux de la maison de Togarma trouvaient des marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dedan trafiquaient avec toi. Ouais, Dedan aussi. C'est aussi avec un. C'est aussi lié à Tarsis. Dedan et Tarsis. Le commerce de beaucoup d'îles. Ils faisaient le commerce même des îles. Le commerce des choses là, c'est Satan. Où est Satan va se planter à Jésus? Voici, le monde m'appartient. Satan là-bas, c'est moi qui ai pris ça. Je l'ai livré, je donne à qui je veux. Les chrétiens ont laissé Satan dominer sur la terre. Prendre des portions et donner aux gens de ce monde. Et Satan va partager les chances du monde. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cordes d'ivoire et de l'ivoire. Ouais. On faisait quoi? Des cordes. On te payait avec des cordes d'ivoire et de l'ébène. On va payer Satan. Avec quoi? What tu peux des cordes d'ivoire, c'est des choses bizarres. Des choses inutiles. Vous voyez les choses? Nous, nous avons dit avec quoi? Pour voler les armes. Pour appuyer le vent. La Syrie trafiquait avec toi. Les nations trafiquaient avec lui. Satan. Je crois au c'est on dit n'aime point le. N'aime point ce commerce qui a vu. Voilà le monde qu'on ne doit pas aimer. À cause du grand nombre de tes produits. D'escarboucles. De poupes. Boucles, vous avez écouté. Boucles d'oreilles. Tout ça, c'est dedans. Dans Tesca, boucle. De boucle, de poupe, de broderie. De broderie. Donc il y a des vêtements. Les choses qui viennent, pas inspiration du monde des ténèbres. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Mais nous, le Saint-Esprit nous dit de ne pas diaboliser les choses. Si le Saint-Esprit dit ça, c'est pas bon. Je ne dois pas dire à l'autre parce que c'est dans mon intimité, Dieu m'a dit. L'autre aussi, c'est ça. Tout est pur pour ce qui est pur. Tout est souillé par ce qui est souillé. Si toi, tu vois que les choses impures, impures là. Tu es souillé, tu es impur. Si rien n'est plus pour toi là. Ça me donne, toi, tu es souillé. De Pisis, de Corail et de Rubis, elles pourvoyaient tes marchés. Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Oui.
Ils donnèrent le froment de minute. C'est qu'il y a trop même. C'est ça la promesse spirituelle. Même les animaux. Tout. La pâtisserie. On donne les animaux. Le miel. Laissez, venez à. Verset 25 qu'on va voir. Merci. Les navires de Tarsis. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Pas ton commerce, pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire. Tu vois, au cœur des mers. Au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grands eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes. Ceux qui réparent tes fusils et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes. Et vous dites bien, ici on parle de l'enfer. Tous ces marchandises-là, ces marchandises qu'il a là, avec ces hommes qu'il utilise pour pouvoir faire les commerces là, au jour du Seigneur, eux tous iront au cœur des mers. C'est là qu'on dit que l'enfer n'est pas seulement force. L'enfer n'est pas seulement sous dans le monde souterrain. L'enfer est aussi dans la mer. Ceux qui ne sont pas en Jésus là, sont pris en domination de la mer. L'enfer est aussi dans les airs. L'enfer est aussi dans le monde souterrain. Dans trois niveaux. Ce sont les trois prisons qui sont venues passer. Et je dis que l'enfer n'est pas forcément le feu. Ou bien, ça peut être des tortures, ça peut être des manipulations. On peut envoyer les âmes, torturer les âmes, commander les âmes, les influencer. Comme cette âme n'est pas en Jésus, comme cette âme n'est pas dans le royaume de Dieu, comme cette âme n'est pas dans le corps, ça a le pouvoir de faire quoi qu'elle chose. C'est pas dans le corps, tu suis. Tu es né de Dieu, tu es ignorant des lois spirituelles. Maintenant, le Seigneur tout est dit. Et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers. Ah, le cœur des mers, c'est où? Au jour de la chute. On parle de l'enfer. Au jour de la chute, lorsqu'il a été précipité, il est tombé dans la mer. Il dit mal, la Bible dit malheur à la terre, à la mer. Donc, malheur à ceux qui se sont livrés, ceux qui ont permis à Satan d'acheter leur âme comme des marchandises. Parce qu'ils iront au même lieu et Satan domine sur eux dans la mer. C'est compris? Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire. Les mariniers, tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre, ils feront entendre leur voix sur toi. C'est bon, c'est bon, il y a beaucoup de choses à dire. Venez dans Ézéchiel 28. Commencez par le premier verset. Alors, c'est la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme. Attends. On dit quoi? Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Voici ce que Satan va faire. Dès que Satan est précipité, Satan va établir trois royaumes. Dans la mer, dans la terre, dans le monde souterrain, et dans les airs. Ici, on dit quoi? Qu'il va dire qu'il est Dieu. Et il dit qu'il est Dieu, il fait quoi? Je suis assis sur le ciel de Dieu. Voici comment beaucoup dans les révélations sont tombés. Mais parce qu'ils ont fait le ciel, le troisième ciel. On ne serait pas le troisième ciel tombé. Leurs pensées sont souillées. Ils viennent avec des fausses révélations. Soit ils ont fui le trône de Satan dans les airs, soit le trône de Satan dans la mer, soit dans le monde terrestre. Et tout ce que les satanistes qui viennent se répandir disent, tout n'est pas bien. Ils disent beaucoup de choses réelles dans la spiritualité.
dans le monde de l'au-delà. Tout n'est pas fini. Essuyez ta robe. Et nous, 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 je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. C'est l'orgueil, hein. Il se croit sage comme que tout selon la Bible. La Bible ne dit pas qu'il est sage. Comprenez le langage. Oui, c'est bien. On va voir le plus bon. Un ami au loyer, tu es le talent, premier. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Oui, je vous ai dit ça, non. Depuis le ciel, hein. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Voilà, il a volé tout ça. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as son corps. Mais voilà comment il a fait. C'est que le ciel a commencé le commerce. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils seront. C'est ça que m'a vu ce soir qui avait essayé de tirer contre le commerce triangulaire. C'est bon, ça arrête là. Donc, on a déjà lu le 16. Lisez le 16. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce. C'est un commerce très élevé. On a expliqué ça maintenant. Oui. À chaque fois. Oh, prenez ton sana. Même, vous voyez, quand les enfants sont nés là, leurs parents vont les présenter au soleil. On va vers la mer. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd ces personnes, eux ont accepté vendre leur âme réellement à Satan dans la loi des commerces triangulaires. Ils ont ça fait achat. Satan a acheté leur âme. Ou bien ça fait le prince de l'air qui a acheté leur âme. Oui. Si vous mettez la marchandise âme. Et vous mettez ici, vous mettez ça ici, sur cette ligne. Vous mettez terre physique, marchandise, âme. Vous voyez? Donc, eux là, c'est concernant, ils vont. Ils vont livrer leur âme à Satan. Je donne leur âme à Satan. Pour avoir l'argent. Satan lui paie un prix. Et eux livrent, eux s'agissent. Eux, c'est consciemment. Ceux dont je parle maintenant, c'est leurs parents qui leur font ça à leur place. Et leurs âmes sont englouties.
Pourquoi il ne trouve jamais la paix? Il ne trouve jamais la paix parce qu'il y a des malédictions, il y a des enchantements, il y a des réclamations de Satan. Longueur ou ce commerce triangulaire qui régit leur vie, qui couvre leur vie. Ça fait deux choses. Ceux qui conservent vivent leur âme en vendant leur âme à Satan. Dans un des royaumes où ils sont dans leurs parents indirectement font livrer leur âme dans leur enfance, dans l'ignorance, dans la libation, par des disqualifications, par des alliances avec les esprits des eaux, par des alliances avec les esprits de la mort, les esprits de la terre, les esprits de l'air. Ce soir, on va prier un peu. Vous voyez, vous devez vous lever dans la prière. Ou bien, on va encore dormir. Eux ne dorment pas. Eux font la loi des commerces. Eux, c'est toujours. Le temps, je vais s'acheter le temps. Le monde spirituel à l'aise. Les démons achètent. On n'a pas le temps à perdre. Je prends ton masque, tout le temps. C'est pour ça que ça ne suffit pas dans le monde. Ton esprit n'est jamais connecté à Dieu. Ton âme esprit ici non. Mon fille. Il faut passe. Vous êtes dans le football. Les attaquants. Ici c'est les attaquants. Les trois sont les attaquants. Ah même toi. Ne fais pas ça. Il se passe. Ton âme devient le bar. Non. À la main de commerce triangulaire. Le assistant à ton quoi. Les trois attaquants. Il prend ton âme. Il passe à l'autre. Achète ton âme et te mets dans une prison de la terre. Après ton âme quitte la terre, on va te mettre après dans le monde, le prince de l'air, le roi de l'air. Après, ils vont prendre ton âme. Peut-être le prince de la mer va acheter ton âme dans la terre avec auprès du prince du désert. Ou soit le prince de la mer va acheter ton âme auprès du prince de la terre. Et sur le suisse, échange. Ton âme soit de parcourir les trois niveaux. Il m'empêche. C'est pourquoi là, parfois c'était là, ils font des mauvais rêves. Ils ne tombent pas en paix. Quand ils se réveillent là, il faut que leur âme, ils sont souillés. Ils font qu'ils mangent. C'est-à-dire leur vie est souillée. Ils ne sont jamais en paix. Ou bien, ils dorment. Parce que l'âme n'est pas dans le corps. L'âme spirituelle a été volée par le prince du monde spirituel. Par l'iniquité de leur père. Par la conséquence de l'iniquité de leur père. Par la dit que le péché du père ne peut pas tomber sur le fils. Quel lui? C'est la réalité spirituelle. Il faut manipulation. Et toi sur la terre là, tu es ton Dieu, ton esprit est sauvé. Mais ton âme n'a pas la paix. Et tu pleures jour et nuit. Tantôt c'est maladie. Tantôt c'est cancer. Après, c'est diabète, tension. Parce qu'il y a échange. Les gens prennent l'âme là, c'est comme l'âme est facilement manipulable. Manipulable. C'est-à-dire, l'âme là, c'est comme c'est terrestre là. Et spirituel, c'est comme une enveloppe. Passe. Viens, on a le toit. Le client. Ne dis pas ça, c'est ma fiche. Oui, passe. Passe, c'est comme ça que ça se passe. Et tu es fatigué. Et tu es charnel. Tu pèches seulement. Ah non, on nous faut quoi. Parce que la loi du commerce triangulaire du royaume spirituel de Satan a eu le pouvoir sur toi. Nous allons renverser cette loi aujourd'hui.
après, quand on va finir, quand je vais finir maintenant, on va se lever et renverser ça. Et la nuit, là, tu vas, toi, mais tu vas prier à la maison. Demain matin, midi, on va prier. Demain soir, on va prier. Samedi, après, question, on va encore prier. Gloire à Jésus. Psaume 52, verset 7. C'est bien. Ça se transmet d'une manière génétique, d'une manière générationnelle. J'ose dire que dans le sang, l'âme de toute chair est dans son sang. Ou bien, l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, l'âme est en deux volets. L'âme spirituelle, l'âme terrestre ou naturelle. Ou charnelle. Ou bien, c'est les deux. Alors, ton âme spirituelle est mise en prison par l'ignorance, par le péché, par l'ignorance, parce que tu as laissé ta forme ouverte. Les démons ont pris ton âme en otage. Ou soit, si ce n'est pas que tu as vendu ton âme, ou si ce n'est pas que tu es ignorant, inconscient, et que tes parents t'ont présenté, le troisième niveau, c'est que il y a une malédiction générationnelle. Qui n'a pas encore été brisé par le sang de Jésus. Qui n'a pas encore été brisé par le sang de Jésus. Ça m'a dit, si c'est toi, votre famille là, vous, on vous dit que vous, dans votre famille, vous ne vous marierez jamais. Et ça se transmet. Les autres, depuis 1000 ans, ça passe dans les générations. D'autres, on va dire, ils ne sont jamais riches, ils sont jamais prospères. Ils sont toujours pauvres. Et ça devient une iniquité générationnelle. Ça devient péché qui devient condamnation pour la famille. C'est une loi spirituelle dans le sang. C'est ça qu'on appelle les malédictions génétiques. Ça ne passe même pas le chair, la chair. C'est pourquoi le verset dit quoi? Psaume, David va dire dans Psaume 57. Voici, je suis né dans l'iniquité. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il est né dans l'iniquité. C'est comme ça. D'autres sont nés dans l'iniquité. Tu es né de Dieu. Quand tu n'as pas encore reçu la rédemption, ton âme qui est née dans l'iniquité va être emprisonnée dans l'une des prisons. Tu seras déterré, tu n'auras jamais la paix. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts pour que tu dises Jésus, secours-moi. Tant que tu ne tournes pas tes regards vers la croix, tant que tu ne tournes pas ton regard vers une autre loi qui est plus forte que la loi du commerce triangulaire. Et tu pourrais dire, ton âme, ça va être à cet âge. L'iniquité, le pouvoir de l'iniquité. Nous formons nous saints. Vous voyez. Tant que tu ne tournes pas tes regards vers Jésus. Tu sois manipulé. Ou bien dans votre famille, l'impulsité par son père. Ma ça, tu ne transmets pas pour famille paternelle. Ah, parce que ta maman a vécu une fois dans la fornication. Alors, dans la prostitution. Donc, si ta vie est basée sur la prostitution, toujours. Et c'est générationnel. Jésus est venu faire quoi? On va lire Galates 3. 18. Galates 3, verset 3. Galates 3, verset 3. J'ai dit au nom de Jésus. D'abord, dans les autres. Elles ont dit quoi? Que le péché des pères se transmet. L'idolâtrie se transmet comme un péché générationnel. Ou bien, de génération en génération. L'iniquité des pères sur les fils. De Dieu dans la quatrième génération. Ceux qui règnent sur l'éternel. Parce que c'est le péché qui vient, qui est dans la chair. Le péché du père se transmet au fils. Et c'est ça que les démons se servent. Si c'est l'impunité, on peut l'amener dans la mer. Si c'est l'idolâtrie, on peut l'amener dans les airs. Si c'est peut-être les. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Si c'est des péchés liés à la terre. Si c'est la colère, on peut le mettre sur la terre. Ça dépendra. Parce que l'iniquité de ses pères
a eu du pouvoir sur lui. Il est à Jésus. Il est né de Dieu. Il n'a pas été racheté par le sang de Jésus. La malédiction de la loi, la malédiction de la loi du commerce triangulaire, a été brisée. Alors il est gouverné par la loi du commerce triangulaire. Lisez-moi Galates 3:13. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons faire la suite. Expliquer la loi du commerce perpendiculaire. Le pouvoir de briser le commerce triangulaire. La loi du commerce perpendiculaire est la loi de Jésus. Et la loi spirituelle de Jésus. Acclame Jésus. Tu viens renverser la loi du commerce triangulaire. C'est la mathématique, hein? C'est la science des mystères. Galates 3:13 dit quoi? Christ nous a racheté de la malédiction. Christ nous a racheté, levez-vous. Christ a fait quoi? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. De quelle loi? La loi du commerce triangulaire. La loi du commerce triangulaire. Je vais vous l'écrire. Christ l'a racheté. Ça c'est là. Donc c'est autre tableau. Donc ça c'est que je veux trouver ça. Ok. C'est bon, on va encore photographier ça. Donc Christ nous a racheté de quelle loi? La loi du commerce triangulaire. Cette loi qui est divisée en trois comme ça. Et comment te fait ton premier? Les gens vendent leur âme directement à Satan. Consciemment. Deuxième, les gens, ce sont, c'est inconscient. C'est leurs parents qui les ont dessiné. Les réalités du commerce, les sous-sens de condamnation. Pas de la loi du commerce triangulaire. Les sources de condamnation de la loi du commerce triangulaire. Premièrement, les gens livrent leur âme concernant à ça. Ils vendent leur âme à Satan. Satan achète leur âme. Satan l'a pour vous l'ouvrir. Âme de 20 plus. L'envoyer l'argent. Deuxièmement, c'est leurs parents. Ça c'est inconscient. Leurs parents les livrent pour que les dieux les protègent. Pourquoi ils ont la bénédiction? C'est là les démons maintenant profitent pour acheter le A. Et les donner les miettes. Et les donner plutôt la malédiction. Troisièmement, c'est un péché de génération. C'est l'iniquité des pères qui vient sur les fils. Oh, la Bible dit dans Ézéchiel que le fils ne portera pas le péché de son père. Ce péché, c'est l'iniquité. La Bible dit dans Ézéchiel 18, 27. Le fils ne portera pas le péché de son père. Et le père ne portera pas le péché de son fils. Ça, c'est malédiction par iniquité. Ça, c'est l'iniquité qui entre dans le sang, dans la chair, dans le sang. Si se transmet de génération en génération. Entre les trois, qu'est-ce qui a été revenu sur toi? Le péché de tes pères qui t'ont emprisonné. Ou toi-même, tu as livré ton âme à Satan. Ou soit, par l'ignorance, tu as laissé les démons entrer dans ta vie par le péché. Ou soit, tes parents t'ont livré au soleil, à la mer, à la terre, au Dieu du second. Toi, tu connais ce qui a été fait sur toi. Pas ces enseignements, tu comprends déjà? Ou bien? Alors, qu'est-ce que la Sainte Doctrine dit par rapport à cette loi du commerce triangulaire? Qui se transmet par d'une manière génétique. Par l'iniquité. Lisez donc, Galates 3:13. Lisez ce que la Sainte Doctrine dit par contre la loi du commerce triangulaire. Oui, quand il y a le volet bloc ou deux, c'est ça. Comment triompher du monde par la Sainte Doctrine?
contre la loi du commerce triangulaire. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. De la malédiction de quelle loi? La loi du commerce triangulaire. Il nous a racheté comment? En faisant quoi? Continue, continue. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction. Donc Jésus là, la malédiction que les démons sont en train de nous faire en nous mettant dans les trois lieux de prison. Jésus, lui, est devenu malédiction à la croix pour que nous puissions avoir la bénédiction. Nous qui étions maudits par la loi du commerce clair. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Mais la Christ, lui, il est maudit à la croix. Mais la croix, on a dit, ben, tu peux te dire, 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 acclame Jésus. 12-11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Satan qui est le chef du commerce triangulaire. Mais c'est lui qui a été vaincu, non? Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia.